Et salut à tous, c'est Eni, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du film 3 des Pokémon, le sort des Arbis. Au précédent épisode, il s'était passé beaucoup de choses parce que il y avait eu des enlèvements, des disparitions, plein de rebondissements. Donc je vous conseille d'aller voir cette première partie déjà. Et puis sinon, bon, je vais quand même faire un petit résumé. En gros, une petite fille a son père qui a disparu et du coup elle cherche à refaire sa famille. Et elle prend notamment Entei pour son père, enfin c'est vraiment son père je crois. Et elle a kidnappé notre maman, enfin la maman de Sacha bien sûr. Donc voilà, on doit aller je sais pas trop où. Mais on est à Greenfield apparemment, j'ai vu le nom de la ville il y a 2 secondes. Je sais pas trop où il faut aller. Est-ce qu'il faut aller peut-être en direction de la fameuse tour? Parce qu'elle s'est renfermée dans une grosse tour. Ouais, j'ai l'impression que toute la ville est bouclée sauf ici, donc c'est peut-être par là qu'il faut passer. Ah, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vous remonte mon équipe parce que peut-être que vous n'avez pas suivi le premier épisode. Peut-être que vous êtes resté au film 2. Et du coup, on a changé d'équipe. On a récupéré, et lui, enfin bon. Non, on a récupéré 4 autres, hein. Irisand, Caminus, Noirfang et Macronium. On a encore Herbizarre et Pikachu. Donc, on doit aller je sais pas trop où exactement. Apparemment, faut aller par là-bas. Enfin, les couleurs, ça donne bien l'impression que c'est par là qu'il faut aller. Le cristal a détruit mon bulldozer. Il a dit quelque chose comme ça. Enfin bon, donc les combats, oui, en plus celui-là. Apparemment, on a Noirfang en premier. Les combats devraient pas être trop compliqués, je pense. Je sais pas qui mettre. Bon, allez, lui. La plante, ça résiste bien. Puis lui, il résiste encore mieux. Il est bien résistant, celui-là. Alors, on va faire ça. Bon, de toute façon, ça va pas durer longtemps. J'espère qu'on va vite arriver à la tour de cristal. Oui, c'est une tour un peu bizarre. C'est pas vraiment du... Enfin, j'essaie de me rappeler comment c'était dans le film. C'était pas vraiment du cristal. C'était une matière un peu bizarre que la fille pouvait contrôler. Je crois qu'elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait avec cette matière. Enfin, bon, là, du coup, Entei a kidnappé notre maman. On va essayer de sauver notre maman parce que bah, c'est notre maman quand même. Donc, on va aller essayer de la sauver. Je sais pas quand est-ce qu'on y arrivera, mais alors, on a quand même des dresseurs à battre avant. Allez, on attaque, après ce sera bon. Non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû lui faire synthèse. Comme ça, il aurait été soigné, ça aurait été fait. Au lieu d'attendre le prochain combat, je sais pas trop si je pourrais. Bien, niveau 20, c'est très bien ça. Ok, bon, on continue. J'espère qu'on va pas trop être embêté par les herbes, ok. On va l'esquiver. Bon, au pire, c'est pas grave, on s'est pris... On se prend un Pokémon sauvage, c'est toujours moins long. Oh! Ah oui, des Arbis, du coup, on va en croiser peut-être dans les herbes sauvages. Là, il y a que des Arbis. Et je peux même pas. Bon, je lui fais un pic-pic. Non, mais ça rapportera rien comme expérience. Parce que je l'aurais bien entraîné vite fait. Il prend pas d'expérience, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que ça buguait. Mais c'est vrai que ça me fait ça souvent. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça bug. Alors, si je parle. Attendez, on va prendre l'objet. On a que deux herbes à traverser. Et c'était une potion. Oh oui, d'accord, la potion, je l'ai pas reconnue. Enfin. La couleur était un peu bizarre, du coup on est dans une ambiance assez sombre, assez nuit, c'est la nuit. Et du coup c'est bleu, violet, et... non mais j'aime bien cette ambiance, un peu rouge aussi. Enfin rouge, bordeaux, je sais pas comment on pourrait dire. Ok, donc on va pas aller voir là-bas, on va monter... Oh, on dînait pierre. Oh, j'avance pas, ils avancent tout seuls. Hein. Au moins l'eau ne s'est pas transformée en cristal. Nous devrions être capables d'atteindre le manoir si nous suivons cette voie. En gros, si on passe par l'eau. Ah non, mais ah oui, vous marchez sur l'eau. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal, franchement. Vous êtes plutôt doué. On va devoir escalader la cascade. Ah oui, dans le film, je me rappelle, enfin je crois, qu'il réussissait, avec Bulbizarre, avec les lianes de Bulbizarre, il réussissait à monter, il me semble. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Qu'est-ce que ces idiots sont en train de faire? Ils essayent d'escalader la cascade proche de ce bâtiment bizarre. Il doit y avoir des Pokémon de grande valeur à l'intérieur. Ok, du coup, ils avaient fait vite fait la paix. Enfin, ils s'entendaient à peu près à la fin du film 2. Mais là, oublié. Bon, pour le moment, la zone cristallisée a été fermée pour les citoyens jusqu'à d'autres instructions. Personne n'a l'air de pouvoir casser la forteresse. Et elle grandit de plus en plus. Et je pense que j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, ils ont vu... Ah ouais, ils nous ont vu Sacha, Pierre et Ondine. Je n'y crois pas, ces gens, trois personnes sont en train d'essayer d'entrer dans le manoir en escaladant des cascades.
avec l'aide de leur Pokémon. Sacha a l'air d'avoir des problèmes. Il recherche sa maman. Ah, on ferait mieux de les contacter et voir s'ils vont bien. Je ne comprends pas, maman. Pourquoi est-ce que ces trois essayent d'entrer dans notre maison? Ce garçon, il ressemble à... Sacha! Sacha, descend. Descends d'ici tout de suite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Attends, ce sont des Pokémon. Non, oui, ce sont des Pokémon. Je pense que ces trois-là sont dresseurs. Je suppose qu'ils ont plein de Pokémon. Alors, papa. Papa? Ah oui, son père, c'est Entei, hein, c'est normal. Ça a l'air d'être le seul chemin pour entrer. Si nous pouvons casser ce mur, peut-être que nous pourrons entrer. Donc, c'est ce que nous allons faire. Allez, vas-y, Goupix. C'est un Goupix? Ah, mais je croyais que c'était un Roucoule. Hérissandre. Lance-flamme. Ben, dis donc, pas mal. Nous allons devoir garder la porte. Ah, ok. Ok, ils vont continuer de faire lance-flamme jusqu'à qu'on entre. Lance-flamme. Pistolet à eau. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire exactement? J'ai pas très bien compris ce qu'ils ont fait. Ok, donc ça s'est remis. Ils peuvent plus ressortir, du coup, ça veut dire ils sont entrés, mais pour... Oh! Ah oui, c'est sacré... Sacré décoration. Très bien, pas de retour possible maintenant. Mon Pokégear, c'est Schuiler. Je sais pas qui c'est, ce mec. Hein. Est-ce que vous allez bien, les gars? Lisa? Sacha, nous venons juste de te voir à la télé. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire? On va être agressif parce qu'on est quand même en train de sauver notre maman. Et là, ils nous disent que c'est pas bien ce qu'on fait. Non, agressif. Hein. N'agissez pas comme si vous pensiez que. Comme si vous y attendiez pas. Hein. Je vous l'avais dit que j'allais rechercher ma maman. Ah, tu aurais dû me le dire. J'aurais pu t'y emmener de façon plus sécurisante. Je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que. On peut savoir la vraie raison de pourquoi vous nous avez appelés? Nous avons examiné quelques-unes des recherches du professeur L et nous avons peut-être trouvé une explication pour ce qui est en train de se passer. Les Arbis ont la capacité de lire les pensées et des formes de vie. Même les humains. Et pas seulement. Les Arbis peuvent créer de nouvelles réalités, altérer le monde en utilisant les rêves. Les Arbis seront peut-être en train d'utiliser l'imagination de Molly. Et cette cristallisation doit être un des vœux de Molly. Fait par, enfin rendu réel par les Arbis. Viens, nous devons continuer. Ok, c'est bien compliqué tout ça. Ok, oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que les Arbis sont en train de créer une nouvelle réalité, comme le professeur Chen a dit. Peu importe ce que c'est, nous ne pouvons pas l'arrêter pour le moment. Oh, c'est trop classe! Énorme. Ouais, ces trucs en verre, je m'en rappelle. Ah, oh, c'est trop fort. Pendant ce temps-là. Les trois avec les Pokémon, ils sont là. Est-ce que je dois les expulser? Enfin, est-ce que je dois les virer? En gros. Elle va dire non, normalement. Ouais, voilà, elle veut faire des combats Pokémon. Oh, et puis elle s'était pris des super Pokémon, je me rappelle. Dans le film, enfin, le Zerbi, il lui créait les Pokémon. Je veux faire un combat Pokémon. Maman, mais je ne sais pas si je peux. Tu peux si c'est ce que tu souhaites. Est-ce que c'est vrai? Tu penses vraiment que je peux? Bah, de toute façon, Entei, il va tout le temps essayer de la rendre heureuse. Parce que si c'est son père, il veut se rendre sa fille heureuse. Peu importe le prix. Ce serait tellement bien, maman. Un dresseur Pokémon comme. Je peux juste imaginer. Comment ça? Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et dis donc. Oh, Entei. Mais il va la faire grandir. Non? Peut-être que je suis pas assez vieille pour avoir des Pokémon. Tu dois croire en ce que tu es. Oui, il l'a fait grandir. Ah, ok, énorme. Elle est bien faite comme ça, j'aime bien. Des champs ouverts. Ok. Ça va être la partie du Dream World, du monde des rêves de Molly que les Arbis ont créé. Très bien, séparons-nous pour trouver la sortie. Bien, ok. Ok, très bien. Je sais pas où il faut aller exactement. Je pense pas qu'il y ait des dresseurs, au moins des dresseurs qui ont rien à voir avec le scénario, je pense pas qu'il y en aura par ici. Ok, il fallait juste monter. Ah, je pense qu'il faut passer par là. Entei! Ok, tu es un dresseur Pokémon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Elle a souri, non? Faisons un combat. Attends, elle a changé de sujet. Ne change pas de sujet. Où est ma mère? Tu n'es pas amusant. Où sont tes ennemis?
Oublinez, vas-y, on va faire toutes les trucs. Et là, elle va nous reproposer le combat après, je pense. Oublinez, tu as affaire avec moi maintenant. Bien, combattons. Je refuse. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu vas soit devoir me combattre maintenant ou partir. C'est pour ma mère. Ok, dans tous les cas, on combattait. Hein. Dans tous les cas, on combattait. Oh, la musique, dis donc. Oh, le fond, il est bien, dis donc. Ah ouais, ils ont fait un fond spécial. Faire si je peux l'endormir bien. Du coup, on va l'attaquer. Parce qu'avec une. Oh, quoique, non, on va changer direct. On va pas perdre de temps. Oh, quoique, avec. Avec brouhaha, je peux faire des dégâts quand même, non? Pas mal. Ah, mais ça le réveille. Mais je suis con. Je suis con. J'y avais plus pensé. Oh, mais on fait plus de dégâts que lui. On va continuer avec. Ah bon, d'accord, on continue obligatoirement, ok. Oh, bien. Ah, mais c'est plus. Non, c'est pas de plus en plus fort. Je sais pas, ça lui a fait beaucoup de dégâts. Ok, tant pis. On va changer. Lui, il a quoi? Ah, la musique, elle est bien. Je la connaissais pas, mais j'aime bien. Ok, il a pistolet à eau. Ce sera suffisant, je pense. Puis les niveaux en face, ça va être sans pas de poilé. Ok, je me rappelais pas qu'elle avait ses Pokémon. Il me semblait qu'elle s'était vraiment pris des. Mais des Pokémon super forts, genre des. Non, elle aurait pu prendre Donphan ou après Pharamp à la place de l'énergie. Enfin, vraiment les évolutions au-dessus, je pensais. Mais. Enfin, là, c'est pas terrible, hein. Comme Pokémon, non. Sachant qu'on peut te créer n'importe quel Pokémon, c'est pas terrible. Ah oui. Bon, allez, on le met KO. Oh non! Oh, c'est de la triche. C'est de la triche. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir faire deux pistolets là-haut. Ça fait pas énormément de dégâts, c'est dommage. C'est un peu dommage. Bon, là, il va se faire des dégâts de recul s'il nous refait bélier. Normalement, on devrait pas mourir. Ouais, bien. Enfin, je pensais qu'il nous resterait un peu plus de PV, mais. Eh hey, oh! Abuse pas non plus. Hein. Bon, crocodile, enfin, Caiminus. Hein. Tant pis, on va te changer. J'ai envie que tu gagnes un peu d'expérience quand même. On va mettre. Tiens, on va mettre le Bulbizarre, Herbizarre, parce que Macronium m'a l'air d'avoir un peu du mal. Ok, roulade. Et là, normalement, je pense en un coup avec Trancherbe. Ça devrait mettre KO. Bien. Ok, plus que. Je sais pas combien en fait. Plus que. J'en sais rien. Niveau 19, très bien. Teddy Ursa. On va mettre. Tiens, on va essayer de mettre lui. Hein, il a pas. Ah mince, Pikachu, faudrait qu'on le monte aussi. Non, c'est juste que lui, on l'avait pas trop vu combattre. Et 21. Ah, Flamèche. Hein. Peut-être avec un peu de chance, on peut le brûler. Oh! Ah, ok, coup critique. J'ai été étonné. Son beau griffe. Non! Tu es sérieux? Putain, merde. Ah, trois fois. Oh, tant pis. De toute façon, tant pis. On va mettre Pikachu après. Mais je sais pas s'il va se re-soigner, Teddy Ursa. Je sais pas s'il va mettre une super potion comme celui d'avant, à qui elle a pas arrêté de mettre des super potions. Alors, on va tenter d'attaquer. Oh, ok, c'est bon. Enfin, je pense. Non, ça l'a pas mis KO. J'ai peut-être. Oh, il a raté. J'ai peut-être vive attaque, de toute façon. Ouais, bon, on va quand même faire éclair. Très bien, donc Pikachu il va ramasser pas mal d'expérience. Bien. Electro Ball, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est. J'ai plus le nom d'attaque en tête. Ah, c'est toujours meilleur, non? Je sais pas si c'est meilleur. Que. Parce que ça, c'est. La puissance varie si on est contre des Pokémon lents, ça va? Bon écoute, on va enlever. Ouais, mais il y en a que 10. Bon allez, on va lui mettre, hein, tant pis. Hein. Peut-être que je regretterai. C'est pas très très important, on n'est pas dans un let's play où il faut absolument battre tous les dresseurs en face, c'est pas un truc stratégique ou quoi que ce soit, donc c'est pas très important. Oh, tu es un super dresseur. 1575, c'est sympa. Oh, ok, il évolue. On va le laisser évoluer, hein. Je crois que dans le film, ils évoluent pas, mais. Bon écoute, hein. Je sais pas. Ah, j'ai hésité, hein. J'expliquais justement dans les autres, même dans les autres épisodes, même pour le film 2, tout ça. J'hésitais sur les laisser évoluer ou pas. Bon, je les laisse évoluer à chaque fois, mais je me dis que ça posait souci, donc je continue comme ça. Dites-moi toujours si ça pose souci, hein. De toute façon, pour le film 3, ce sera trop tard, mais. Finissons-en. Attends! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec lui lorsque tu peux me combattre? Mais j'étais en train de gagner. Laisse Pierre la combattre. Nous allons trouver ta mère. Très bien, allons-y. Ok, ils avancent tout seuls. Moi, je fais absolument rien. Pierre, je crois qu'il va se faire défoncer. Il me semble.
Je t'ai vu combattre. C'est normal qu'un dresseur aussi mignon puisse avoir des Pokémon aussi mignons. Mes Pokémon sont beaucoup plus que mignons. Ok, là je crois que contre Pierre, elle va utiliser des Pokémon un peu plus forts. Hein. Il me semble qu'il va se faire défoncer. Même Ondine, je crois que. Après, c'est plein de souvenirs, mais je dis beaucoup, je crois que. Il me semble que. Là, ils vont nous réintercepter. Enfin, je veux dire, on a continué notre chemin tous les deux. Pierre, il va se faire défoncer. Et nous, on continue notre chemin. Et on va se faire interrompre, intercepter à nouveau par Entei et Molly. Et c'est Ondine qui va combattre en disant, bah, va chercher ta mère. Hein. C'est ta mère, après tout. On va pas aller chercher à ta place. Et du coup, on va se retrouver tout seul. Et voilà. Je crois que ça va être un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça. Lequel de vous dresseurs veut me combattre? Oh, j'arrive plus à parler français. Je suppose que Pierre n'a pas pu la battre. Je savais que je n'aurais pas dû laisser Pierre la combattre. Molly ne peut pas être battue. Entei doit être une illusion aussi. Il est temps de finir ce que j'ai commencé. Attends, Sacha, laisse-moi combattre Molly cette fois. Et qui es-tu? Je suis Ondine, je suis un dresseur de Pokémon et j'étais le champion de l'arène de Azuria. Tu es un champion d'arène? You bet I am. Tu parles que je le suis et je suis un des meilleurs. Tu n'as pas. Tu ne dois pas être plus vieille pour. Je crois que c'est ça. Plus vieille pour être champion d'arène? Tu peux devenir tout ce que tu veux. Ok, bah même champion d'arène, c'est chaud quand même, non? Oh, comment est-ce que. Ah, il est joli comme ça, non? Nous sommes sous l'eau et comment nous respirons? Tu te souviens que Molly peut faire ce qu'elle veut. Enfin, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle veut. Si je me souviens bien, j'ai quelques affaires non finies, enfin qui restent en suspens avec toi, dresseur. Bien, comme je le disais, finissons-en. Sacha, elle n'est pas n'importe quel dresseur. Ces Pokémon qui elle sort de ses rêves sont plus forts que les réels. Idiot. Puisque je suis un dresseur de Pokémon No, je vais utiliser des Pokémon No pour combattre à partir d'ici. Très bien. Utilise des Pokémon No, je peux utiliser ça à mon avantage. Ok, ah, on combat à deux, d'accord. Elle n'est pas plus grande que ça? Oh purée, ouais, elle a pas le vieux. Mais c'est moi qui combat. Ah, mais non, mais je suis bête. En plus, c'est même pas ce que je voulais faire. Parce que je l'hypnotise, mais. C'est pas du tout ce que je voulais faire en fait. Enfin, je vais faire brouhaha derrière, je vais le réveiller. Oh, de toute façon, ça change rien en fait que j'ai fait hypnose plus brouhaha ou que j'ai fait brouhaha depuis le début. C'est bien la même chose, hein. Bon, allez, là, il nous attaque pas, donc on fait déjà pas mal de dégâts. Ah, ça va pas être suffisant pour le mettre KO, je pense, sa dernière attaque. Normalement, il nous tue pas. Sauf s'il faisait coup critique, mais bon, il en a pas fait. Ok, il s'est calmé. On va tenter. Ah, ok. Bon, on lui fait quand même pas mal de dégâts avec ça, donc c'est cool. Mais faudra pas qu'il utilise des super potions à chaque fois. Il fait quoi? Pistolet à eau. Je pense qu'on survit. Ah, bon, non, dommage. Dommage, c'est pas grave. Bah écoute, Pikachu. On va essayer les. Ah, je sais, on va paralyser. Et puis on va essayer Electro Ball parce que comme sa vitesse sera baissée avec le cage éclair, sa vitesse sera baissée. Du coup, Electro Ball, ça va pouvoir faire pas mal de dégâts, je pense. Non? Ouais, pas plus que ça non plus. Hein. Ok. C'est pas grave. On va mettre lui. Et on va attaquer avec la plante. Je suis pas sûr que ça le mette KO. J'en sais trop rien. Ah, et puis il se soigne. On aurait peut-être dû faire Vampigraine. Non, il faut que je réussisse à le battre sans Vampigraine. Je me sentirais fier de moi. Parce que Vampigraine, c'est facile. Hein. Oh, ok, ça c'est cool. Allez, un petit coup critique pour finir. Un petit coup critique? Non. Oh, par contre, ça c'est cool. Allez, encore une super potion. Non, c'est bon. Ok, donc elle utilise à peu près 2 ou 3 super potions par Pokémon. Ah, deux niveaux. Bien. Puissant maintenant. Mantine. Je crois que c'est encore de la Pokémon d'eau. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, on va attaquer direct. Aïe. Ah, ça fait mal. Oh, ça va, c'est un coup critique. Oh non, dommage. Attends, on va faire un Vampigraine. Ah, apparemment, t'as pas peur. Merde. Enfin, mince, pardon. Et on retente. Oh non! Ah, je l'avais pas vu venir. Ok, j'ai pas de rappel. Hein. C'est la misère. Ah, mais en plus, il va me faire cruel, non? On va faire synthèse. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. On a résisté.
On va tenter de faire un bouclier vite fait. Ok. Ça c'est bien. On va refaire synthèse après. Ah, c'est pas facile, hein. Mais j'aime bien, ça me dérange pas. Elle est encore synthèse. On devrait survivre, non? Bon, ok, ça c'est cool. Du coup, on a des potions ou pas? Est-ce qu'on a des potions? Ouais, on a des super potions. Oh, on a même des bidules. Voilà. Ok. On va tenter un poudre poison. Allez, faut que ça réussisse. S'il vous plaît. Non, ça a raté. Ça a raté, ça a raté. Alors, on va se refaire un poudre poison. Je pense que le coup d'après, le bouclier, il sera plus bon. Donc, on se soignera. Je sais pas comment on fera, mais. Ok, ça c'est cool. Le bouclier est toujours là. Ok, on va se soigner directement avec un. Mince. Avec une super potion. Voilà. Ah, c'est pas simple, hein, dis donc. Voilà, on a tous nos PV. Il nous fait coup de boule, ça devrait aller. Ok, facile. Voilà, il est. Ok, il n'y a plus de bouclier. On va le remettre. Ah là, par contre, ça va faire mal. Ah, on a survécu, ça c'est bon. Voilà, très bien. Bon, normalement, on survit avec ce qu'il nous reste de PV. Je pense qu'on survit au moins à un cruel. J'espère. Oh merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, attends. On va peut-être appeler quelqu'un d'autre quand même. Quoique. Faire si on se soigne. On a plein de super bonbons qu'on utilise. Enfin, de super potions qu'on utilise quasiment jamais. On va tenter. Moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je crois qu'il est bon en défense et ouais, il résiste bien avec le bouclier. Non, il y a moyen de tenter quelque chose. Morsure, je sais pas. Ah, je vais lui baisser sa vitesse. Je vais lui faire une grimace pour lui baisser sa vitesse. Comme ça, je suis sûr d'attaquer avant. Peu importe qui y aura, peu importe si je rappelle quelqu'un, dans tous les cas, je pourrais être plus rapide. Et ça serait un bon avantage parce que tout le temps bien d'être pour attaquer en premier. Ah, là par exemple, j'attaque en premier. Ah bah non, il est mort. Ok. Ok, bien joué, Crocodile. Allez, un niveau. Bien joué. Ok, il en avait que deux. Peut-être qu'être un dresseur de Pokémon No n'était pas une bonne idée. Attention, pourquoi n'essaierais-tu pas de combattre un vrai champion d'arène? J'utiliserai seulement des Pokémon No pour que tu aies une meilleure chance. Sacha, part d'ici, la vraie Molly doit toujours être là-haut, dans le manoir avec ta mère. Tu dois aller là-bas. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Ok. Dépêche-toi de la trouver. Ok. Eh bien, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie du film 3. On a fait quand même pas mal de choses hein, dans ce manoir, dans cette tour. On a fait pas mal de choses, on va donc se laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou à laisser un j'aime, un pouce bleu, vert, rose, violet, jaune, rouge. Bref. Non, pas rouge. Bref. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à samedi prochain pour la troisième partie. Dernière partie, j'en sais rien. Mais au moins pour la troisième partie, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, salut.